Allez, salut à tous. Allez, on se retrouve pour cette vidéo habituelle du dimanche. Comme annoncé jeudi, ce ne sera pas la vidéo habituelle du dimanche. Mais bon, du coup, quand on est lancé dans son habitude d'intro, eh ben, on refait la même juste avant de s'en rendre compte qu'il fallait juste changer à ce moment-là. Petit nourrissage vite fait. Donc, vous avez vu vendredi, qui est aujourd'hui pour moi l'arrivée de ma mémère. Il y a à peu près une heure, alors vous voyez, j'ai installé un nouveau tube, un peu plus gros, un tube de 20, et elle n'arrive pas à tourner dedans. Donc il faut que je trouve un tube de 25 carrément, pour qu'elle soit à l'aise. Donc là pour l'instant elle est en recherche, son couvain est toujours là, et elle est ici. Enfin bon, et je vous avais dit, je fais une petite vidéo rapide. C'est le bordel, j'ai des cotons sales de partout, puisque je suis en train de les nourrir. Je vous avais dit que je fais une petite vidéo, comme ça, voir comment je m'y prenais quand je... partais en vacances. Alors je n'ai jamais fait l'année dernière quand je suis parti en vacances, j'avais pas autant de fondations qui mangeaient du liquide sucré. Honnêtement, même moi qui ai tendance à pas forcément m'inquiéter, parce que la vie d'une fourmi, c'est la vie d'une fourmi. Elle vit très bien dehors sans moi, et j'imagine que ça va se passer très bien dans mon étagère, dans mon placard, pendant cette semaine. Je me suis quand même fait avoir, pour parler poliment, et j'ai été pris au dépourvu, puisque je n'ai pas le matériel nécessaire pour pouvoir faire tout à tout le monde. Là, je vous filme une rondelle avec du liquide sucré dedans depuis tout à l'heure, il n'y a même pas une fourmi. Hop, alors du coup, on va passer ici. Comment je vais faire? Pour la petite fondation, tranquille, je mets une petite goutte de liquide aujourd'hui, on est vendredi, je pars demain matin. Demain matin, je leur remettrai du liquide sucré par-dessus, et je les laisserai comme ça toute la semaine. Ici la thoracicus. Thoracicus, ça m'inquiète un tout petit peu plus parce qu'elle n'a pas forcément de grosse physogastrie chez les ouvrières. Donc je vais bien la nourrir en espérant qu'elle mange bien et qu'elle se gave bien d'ici demain. Mais quoi qu'il arrive, elles ont de l'eau et elles ont du liquide sucré. Si lui vient à sécher, elles sauront très bien toutes seules prendre de l'eau là et venir le mettre ici. Et ça, c'est clair qu'elles n'ont pas besoin de moi pour le faire. Donc du coup, quand je vais partir, même sur les espèces qui aiment le sec, il y a toujours un abreuvoir d'eau avec à côté du liquide sucré. Chez les abeilleries, on est passé sur une gelée protéinée. Ça a l'air de leur plaire. Je leur mettrai quand même une coupelle de liquide sucré à côté. J'ai changé l'abreuvoir. Je leur ai mis un abreuvoir comme ça. Ça a l'air de leur plaire. Sachant que sur le tube, elle montait toute et je pouvais plus l'enlever. Donc je pense que lui crée une trop grosse humidité. Et c'est pour ça qu'elle squattait mon air de chasse. Mais bon, on verra. On va se retrouver chez des petites latéralis. Et elles ont juste un coton humide qui tiendra, parce qu'elles sont pas nombreuses, elles vont manger toute la nuit, et ça tiendra largement. On va retrouver plusieurs setups, comme ça, même principe. Alors, Nico m'a dit, j'ai un petit doute. Je pense que la quantité est pas assez, mais c'est pas grave, j'en remettrai demain matin. Elles ont quand même des belles physio. Donc, tout mon petit setup. Bon, je pars qu'une semaine aussi, hein. Ça c'est les Sanctus. Je viens de leur nourrir, on voit qu'elles courent partout. Ici, Barbaricus, tout de suite, on est sur une fondation un peu plus grosse. Hop, je mets un abreuvoir d'eau et à côté un abreuvoir avec du liquide sucré, petite taille. Ici on est chez les... comment c'est? Les fourmis jaunes et noires. Les fourmis jaunes et noires, elles ont déjà des belles physio, donc je vais les nourrir comme ça. Pareil, elles auront de l'eau, elles auront du sucre qui va durcir, mais elles font avec. Ça, je ne me fais pas de soucis pour elles. Chez les Crantatus, par contre, on commence à trouver hop, un abreuvoir. Alors je pense en avoir mis un peu plus dedans, je m'aperçois qu'il n'y en a pas énormément, mais je sais largement que pour la semaine, elles sont une centaine d'ouvrières, et ce contenant va leur suffire, à mon avis, sans problème. Et là, on va passer chez les monstres qui ont la dalle, voilà ce que ça donne, les manicas, elles sont à donf sur le coton. Alors elles, par contre, j'en ai mis un là, j'en ai mis un complet ici, vous pouvez voir. Elles sont à donf dedans aussi. Donc ça, c'est une technique approuvée pour elles, puisque elles ont passé leur diapause avec ce système de nourrissage. Et donc du coup... Pardon, mon fils est rentré avec sa musique. Donc elles, méthode approuvée, hein, puisqu'elles ont fait ça tout l'hiver. Alors la quantité était peut-être un petit peu moindre. Là, j'en ai mis deux. Je vais peut-être même voir à leur mettre carrément un tube à essai 15 ml, parce qu'elles mangent énormément. Enfin bon, voilà. Tout se passe comme ça, on va tester pour cette semaine de vacances. Les autres, de toute façon, elles sont en fondation. Là-haut, j'ai, j'ai les messors, elles s'en foutent, elles ont des graines, elles ont à boire, donc aucun problème pour elles. Petite thoracicus qui se bat dans la chasse.
à chercher le manger. Je vous avais parlé d'une annonce que je vous ferai dans cette vidéo ce dimanche. Et ben du coup, on est parti. On retourne chez les Lateralis. Les Lateralis, je vous en mets une, voire deux en concours. Alors là, on est vendredi 30. La vidéo sortira dimanche 1er. Dimanche 1er août. Je rentre de vacances le 7 août. Donc ça sera le mercredi d'après. Faut que je regarde les dates exactement, mais si je dis pas de bêtises, le 7 août, ce sera le samedi, 8, 9, 10, 11, le 12, certainement le 12 août, je vous donnerai les résultats, sachant que là, ça commence aujourd'hui, dimanche pour vous, et ça se terminera, quoi qu'il arrive, dimanche prochain, j'arrêterai le concours et je vous donnerai les résultats mercredi, le temps que je puisse m'organiser de la maison, pour pouvoir vous préparer ça. Selon le nombre de participants, il y aura une ou deux jeans. Ce sera selon l'humeur où je vais me lever le mercredi matin. Je vous les envoie à mes frais, en suivi, en lettres à bulles, comme je fais habituellement. Juste à marquer dans les commentaires, hein, je participe. Tout simple, qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre, j'en sais rien, il fait beau dans mon pays, j'en sais rien, mettez ce que vous voulez, juste un je participe, puis ce que vous voulez derrière, et puis je validerai vos participations. Alors comme je vais être en vacances, vous attendez pas que j'ai des réactions directes, parce que je serai plus les pieds dans l'eau, au bord de la plage, que sur mon téléphone, enfin du moins je l'espère. Un peu le but quand on a une vie de famille, passer plus de temps avec sa famille que sur son téléphone portable, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein, je vous l'accorde. Mais du coup, donc concours, il démarre aujourd'hui, il se termine dimanche prochain, je vous fais le tirage le mercredi qui suit, et il y aura une ou deux jeans selon le nombre de participants, parce que si vous êtes 150 à participer, forcément je ne vais pas vous faire gagner qu'une jean, c'est un petit peu léger. Allez, 7 minutes, j'ai essayé de super combler. À l'heure où vous voyez cette vidéo, je dois être sur ma terrasse de mon bungalow, en train de boire mon café tranquille. Donc je serai certainement là pour répondre à vos commentaires. Au passage, allez, ciao!